Comment mettre en place un ramassage scolaire pédestre pour l'école de mes enfants ? Le bus pédestre est également appelé carapate, trottibus ou pédibus. Il s'agit d'un mode de ramassage scolaire constitué d'un groupe d'enfants à pied, encadrés par des adultes. Ce sont généralement des parents volontaires, des grands-parents ou des retraités qui suivent un parcours défini, matérialisé par des arrêts, avec des horaires de passage fixes. Le bus cycliste est également appelé caracycle, cyclobus ou vélobus. Il s'agit également d'un groupe d'enfants encadrés par des adultes qui effectuent cette fois-ci le trajet à vélo entre le domicile et l'établissement scolaire. Le bus cycliste présente l'avantage de pouvoir couvrir une distance plus importante qu'à pied. Il convient notamment aux collégiens et aux élèves de CM1 et CM2 capables d'effectuer le trajet à vélo. Tous les acteurs qui se sentent concernés peuvent être à l'origine de telles initiatives. La mairie, les parents, les associations de parents d'élèves et les écoles. En plus d'être conviviales, ces démarches permettent à l'enfant d'être plus autonome et de pratiquer une activité physique. Elles permettent également de limiter la circulation aux abords des écoles. À la clé, moins d'émissions de polluants nocifs pour la santé et pour l'environnement et plus de sécurité. Pour vous accompagner dans votre projet, vous pouvez contacter les directions régionales de l'ADEME qui vous indiqueront si un réseau existe déjà sur votre territoire. Vous trouverez leurs coordonnées ainsi que les outils développés par l'ADEME mis à votre disposition sur le site ademe.fr.